Alors en fait, la bonne idée, au début, t'as l'impression de l'avoir. J'ai jamais su que j'avais la bonne idée, mais par contre, on avait identifié un vrai besoin, c'est qu'en France, vous aviez 80% des gens qui déménagent seuls, et il n'y en avait que 20% qui déménagent à l'aide d'un professionnel, alors que le déménagement est la troisième source de stress des Français. Donc on avait identifié un besoin et on a proposé une solution. Et puis, plus le temps passe, plus elle évolue, puisque la bonne idée est dans l'instant. On a su que c'était une bonne idée dès le départ, avec la profondeur du marché et le fait qu'il y ait peu d'acteurs sur Internet qui étaient présents sur ce marché, donc du bricolage et du jardinage. C'est un peu scientifique, notre truc, mais philosophique, ouais. Mais c'est ça, de s'en mettre sans arrêt en question et donc de faire évoluer son idée. Et c'était vrai en France, mais aussi partout ailleurs en Europe. Donc on a tout de suite vu la dimension européenne du projet. Je me suis dit que c'était la bonne idée bien après avoir lancé le produit. La bonne idée est vraiment venue d'un constat personnel que quand on est une femme enceinte, éventuellement alitée, on a besoin de commander des produits sur Internet. C'est quand j'ai vu toutes ces voiles noires sur l'eau et tous ces sourires des propriétaires que je me suis dit que c'était la bonne idée. Vous aussi, lancez-vous.